se rassemble comme acteurs du milieu, puis on va soutenir au niveau clinique. Et puis ça, c'est très intéressant d'avoir ce soutien-là qu'on peut apporter d'un point de vue clinique aux intervenants du milieu. Bon, dernièrement, on était face à une situation. Dans le fond, on n'avait comme pas vraiment de ressources. Bon, ça allait un petit peu au-delà de nos compétences, de nos pouvoirs. C'est sûr, nous, c'est plus opérationnel. Mais on voyait qu'il y avait quand même une problématique. T'sais, on voyait qu'il y avait un besoin, puis on sentait qu'on ne pouvait pas apporter ce besoin-là. Fait que là, on a pu, avec Cap Santé Mentale, organiser une rencontre pour, premièrement, tout avoir les informations qu'on avait besoin, qui me manquaient, moi, dans l'histoire. Puis vérifier auprès de tous les autres intervenants, savoir, y a-tu quelqu'un qui peut faire quelque chose pour cette famille-là, pour cet individu-là qui a besoin d'aide. Que dans le fond, sont plus à travailler avec simplement un besoin précis d'une personne, mais qui vont toucher l'ensemble des besoins, qui vont avoir une analyse beaucoup plus globale de la situation de la personne, puis vont avoir une prise aussi beaucoup plus globale sur la situation de la personne du fait qu'ils travaillent avec les différents acteurs de la communauté qui ont toutes, chacun, une sphère de pouvoir, une sphère d'influence qui peut amener cette personne-là à se développer, à se trouver mieux, à trouver des solutions à ses problèmes. On a trouvé une solution qui, nous, dans notre pratique, nous a aidé. Je pense que pour plusieurs autres intervenants, ça l'a aidé aussi à résoudre des problèmes que peut-être qu'eux n'avaient pas fait la demande, mais que par la suite, en y pensant, oui, nous autres aussi, on a cette problématique-là. La santé mentale, c'est une problématique émergente qu'on constate beaucoup dans nos services, dans nos projets spéciaux. Puis de travailler activement dans des projets comme ça, bien, ça nous permet de mieux comprendre, puis de mieux aider les gens, puis de mieux comprendre les problématiques, puis de les travailler de façon concertée avec le milieu. Aussi.